te jure, je stresse. Non, mais presque pas, je suis là. Je suis là, t'inquiète. Mais est-ce que là, ils sont déjà 6 personnes. Genre, en train de me regarder. Alors, Jean, Ludovic et Océane, si vous voulez, moi j'ai... Salut! Vous voyez, depuis que Jackie est venue dans ma vie, sur YouTube, je le dis bien sur YouTube, ça a été un vrai bordel. Parce que moi, je suis pas là pour avoir la guerre, en fait. Je suis là pour amener de la joie, des passions. Moi, j'avais la passion du maquillage, des soins, des trucs comme ça. Là, je suis en appel avec une amie sur Skype. Chez Mooks, comme on l'appelle. Bonjour. Voilà, vous devez l'entendre. Hein. Et au début, ça se commençait bien hein, sur YouTube. C'est normal, au début, c'est... Le pays est rose, tout, c'est une image rose. Mais après, ça devient un enfer. Et là, je vais effacer les vidéos lentement pour fermer ma chaîne complètement. Peut-être un jour, je reviendrai, je sais pas, je vais voir. Si, parce qu'il y a eu trop de méchanceté gratuite. Il y en a, ils se permettent de prendre des photos de moi. Mais putain, vous avez pas une vie? Bordel. Je sais pas, inventez-vous une vie, hein. Jean Ludovic, je t'interdis de prendre mes vidéos, d'accord? C'est droit d'auteur, tu connais? Ben si, je suis désolée. Théophile, j'ai vraiment oublié, là. Là, je suis obligée de mettre en charge mon téléphone. Et voilà, crois-moi, je suis désolée, YouTube, c'était une passion. Je peux vous dire que la nuit, je dormais mal. Non, Mais je... passion, en fait, vous l'avez brisé, quoi, sa passion. Exactement. En racontant des conneries, enfin, je sais pas s'ils m'entendent, mais Je sais. en racontant des bêtises, en fait, vous avez carrément Je sais pas ce que dégoûté vous la en. personne qui fait des vidéos, quoi. Je sais pas ce que vous entendez chez Mouf. Là, je rigole pas. Je suis désolée de le dire comme ça. Avant, j'adorais le maquillage, tout ça. Mais maintenant, je n'arrive plus. J'arrive plus. Ça me. Vous rendez même pas compte comment vous me faites du mal, tout ça à côté jaloux. Ben oui, mais quand quelqu'un passe du temps à faire des vidéos, et en plus... Allez monter, allez tourner, allez éditer, ça met du temps, hein. Vous croyez pas que Marine, la fille, après, elle a mis directement sur YouTube, hein. Elle doit la monter, hein. Il faut qu'elle travaille, hein. Derrière, sa vidéo, il y a du travail, hein. Oui, exactement, Shaima a la raison. Parce que vous voyez, tout Et est fini. après, vous regardez la vidéo, je parie même pas jusqu'à la fin, vous regardez même pas jusqu'à la fin de vidéo et vous. Et vous critiquez, vous mettez des pouces, vous donnez pas. Donc avant de critiquer, regardez toute vidéo. Et même, il y en a qui regardent même pas la vidéo, ils critiquent comme ça, sans savoir qu'elle dit. Voilà, exactement. Oui, Shaima a la raison. Déjà, vous la regardez quand c'est tout est fait. Si vous dites dans ma vie personnelle, j'ai pas des problèmes, que je mets un masque pour pas vous montrer mes problèmes, et vous, alors je réponds à cette putain de question
Non, je ne suis pas milliardaire. Et mon copain, il m'aime. Parce que ça aussi, ça fait polémique. Je t'en parle même pas. Après, ça a fait un choix. Voilà. Attends, Marie, je vais dire Vas-y. un truc. Son copain, c'est son copain, c'est sa vie privée. Vous n'allez pas rentrer dans sa vie privée. Si elle, elle vous en parlera, vous n'essayez pas de vous en parler, elle vous en parle pas. Son copain, elle, ça ne regarde que son copain et elle, et ça ne vous regarde pas à vous, en fait. Moi, c'est une question que je suis avec elle, pas avec elle, mais. Quand même, c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut de sa vie privée, quoi. Voilà, après, il y en a, ils disent oui, tu souris pas. J'essaie de prendre le temps déjà. Faut savoir quand on fait des vidéos, c'est très très long. Parce que faut déjà la tourner. Par exemple, quand ma mère, elle rentre dans la chambre, elle me surprend en train de faire des vidéos. Alors, elle est au courant que je fais des vidéos, il n'y a pas de problème. Mais, quand vous, vous dites, oh, Marine, t'es moche. Oh, Marine, t'es handicapée. Mais merde alors! Vous la voyez déjà montée. Vous vous dites que c'est facile? Non. Des vidéos YouTube, c'est pas facile. L'handicap, attends, l'handicap, c'est rien. Vous avez, il y a bien Elsa Makeup qui est handicapée. Et voilà, donc pourquoi Marine, elle n'aurait pas le droit de faire des vidéos parce qu'elle est handicapée? Là, je suis désolée, Jade. Je suis obligée d'arrêter mes vidéos, ma page. Et là, je me retiens pour pleurer parce que je peux vous dire que quand. Je savais mieux que ça peut vous dire que quand je suis énervée, je suis énervée. Vous voyez, au début, elle disait oui. Voilà, vous voyez. Non, il n'y aura pas de vidéo. Alors, arrête de t'inventer une vie, Jean Ludovic, là. Je sais pas comment tu t'appelles. Et c'est bon, quoi. Moi, avant, j'adorais le maquillage. Moi, je. Voilà, c'est que. Je sais pas, est-ce qu'un jour je reviendrai. Avant d'aller dans le maquillage, même maintenant, elle adore le maquillage, mais le pire, c'est qu'elle ne peut pas vous partager sa passion avec vous parce que vous la critiquez partout. Donc, elle ne peut pas partager sa passion avec vous. Si vous êtes là, plus, elle marche, elle est là, elle ne peut pas vous partager sa passion. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est peine, elle arrive plus. Là, vous voyez, je suis à bout. J'ai même pas envie de péter un câble en fait. En fait, c'est juste à cause de Jackie. Alors, quand vous me parlez de Jackie, mais putain, allez lui parler en lui disant, t'es content? Marine ne vient plus, elle fait plus de vidéos, tout ça. Moi, je vais. Moi, je dis, t'es la plus belle, merci. C'est qui parle? C'est une copine à moi qui était à l'école avec moi il y a quelques années. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Bah, Mélina, ma pote, elle parle de moi. Elle m'a vu évoluer sur YouTube. Et elle a vu que je partais en cacahuète. Et il y en a, ils me disent, oui, le son de ta vidéo, ça va pas. Oui, la qualité de vidéo, ça va pas. Mais merde, essayez de le faire, vous. Et après, on en reparlera, tiens. Mais sa qualité de vidéo, elle a pas de les photos et elle peut pas faire autrement, elle a pas les moyens d'acheter une vidéo, elle a pas les moyens d'acheter une caméra, je vais dire. Mais moi, je suis désolée, moi maintenant, là, je vais tout fermer, ma chaîne, tout, tout, tout. Et après, peut-être dans les. Déjà, faut que j'attende de. D'avoir mon appareil photo, déjà. Et là, en même temps, je Voilà, bon. m'achèterai un micro, comme ça, voilà, voilà. Il faut savoir que mon copain, il était d'accord que je fasse des vidéos, il n'y a pas de problème. Mais quand il voyait que j'étais énervée, triste, il me disait, chérie, arrête, ça se voit que t'es mal, t'en peux plus, voilà. Et mon grand frère de cœur aussi, vous vous dites, oui, est-ce que t'as couché avec ton copain, mais ça vous regarde pas. Est-ce que moi, je vous demande, est-ce que vous... Ah, c'est bon. Attends, vous demandez, ah, vous avez déjà vu vos photos, vous avez déjà. Mais elle s'en fout, donc vous en foutez de sa vie, laissez-la vivre sa vie. Si elle veut truquer avec vos copains, elle le fait, ça vous regarde pas. Voilà, moi je vous demande pas est-ce que ton copain ou ta copine elle est bon, il est bon en lit.
Non? Alors vous ne me demandez pas. Je te jure, c'est moi qui me posais ces questions. Laisse-nous la page Facebook, Attends, non. en fait, il y a mon cri parce que mon frère, je sais pas ce qu'il fait dans la salle, mais il est en train de toucher à des trucs. Il a un cri, mais il est pas en live, donc après, on va avoir un cri, donc. Non, je vais pas laisser ma page Facebook parce qu'il faut savoir que YouTube et ma page Facebook, c'est de la même adresse en fait. C'est la même adresse Ouais, mail. mais attends, quand tu finis ton live, laisse la vidéo parce que j'ai envie de la regarder. Ouais, ça Enfin. t'inquiète pas. Et ça, cette vidéo-là, je vais la mettre sur YouTube, d'accord? Et arrêtez de dire oui, moi je suis bipolaire. Parce que franchement, vous faites pitié des fois. Moi, voilà, je suis quelqu'un de franche. Vous venez fouiller dans ma vie privée. Je suis désolée, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très très franche. Là, je pense pas Attends, vous. est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions ou parce que là je suis pas dans ton live, hein. Mais est-ce qu'il y en a qui se posent des questions ou qui te, je sais pas, Mais mais c'est on pourra plus te parler. Ben oui, mais il y en a, ils pensent que je suis votre copine. Moi, je suis pas votre copine. Vous voyez? Shaima, je la connais depuis 2 ans. D'accord? Shaima et moi, on se connaît. Depuis 4 ans, on se connaît, Marie. Abuse pas, ça fait pas 2 ans. Même Oui, ça bon, fait 4 ans. 6 ans. Bon, on va dire 5 ans. Hein? Ouais, 5-6 ans. Et attends, parce que là, j'ai pas vu les questions. Ouais, posez vos questions. Si vous voulez vous poser des questions à moi, je répondrai, vu que je suis avec vous. Si vous voulez poser des questions à Marie, elle répondra. Donc posez vos questions, il n'y a pas de. Il est passé où ton voile? Mais je me voile pas, mais c'est pas vrai. Alors déjà, moi je vais vous dire, hein, je suis musulmane, Shaima est musulmane. partenaire, ok? On est d'accord, Shaima, Ok, que ça c'est pas un voula, c'est pas un foulard. On est d'accord. non, c'est pas un foulard, le foulard, c'est vraiment, ça sent vraiment tout, et on ne voit pas de choses, rien. Allez sur Internet, les petits cons là, allez sur Internet et tapez entre un foulard et un. Bandeau. Et un voile, vous verrez, enfin ouais, je suis perdue. Mais un bandeau et un voile, vous verrez la différence. Un voile, c'est, ça coupe toute la tête, alors qu'un bandeau, ça coupe juste le haut de la tête. Hein. Donc réfléchissez un petit peu. Hein. Et moi, déjà, de 1, je ne suis pas musulmane, d'accord? Voilà, moi je suis musulmane, je sais que Marine, elle n'est pas musulmane, donc voilà, et Marine, elle n'est pas raciste comme vous. Vous dites, hein, donc voilà, sinon elle parlerait pas avec moi si elle était raciste. Hein. Voilà, en plus, après, il y en a, ils disent, ah ouais, t'es pas musulmane, mais alors t'es raciste. Oui, la logique. Ben non, désolée, ça veut pas dire que t'es musulmane, que t'es raciste, hein, que t'es pas musulmane, que t'es raciste. Ben, moi je suis perdue là, j'ai oublié. Bah oui, attends, si t'es pas juif, ça veut dire que t'es raciste des juifs. Et si t'es pas chrétien, c'est toi que t'es raciste des chrétiens. Vous êtes pas Et si logique. t'es pas athée? Franchement, je suis musulmane, j'ai rien contre les chrétiens, les juifs. Hein. Moi, je m'en fiche, hein, chacun sa religion. Il hein. Y a des questions ou. Alors, ouais, ta pote, t'es montée contre nous. Bah oui, ma pote, elle est avec moi, c'est normal, voilà, ça fait 5 ans. C'est normal qu'elle soit avec moi, hein. Attends, moi j'ai envie de dire un truc. Déjà, les abonnés, moi je suis Marine. Je veux dire franchement, je suis ni avec toi ni avec eux. Hein. Bah, ouais, certes, je suis avec toi. Certes, c'est ma copine. Mais là, ce qui vous, ça se fait pas. Oui, c'est ma copine. Oui, ça fait depuis longtemps. Mais je prends parti pour elle parce que c'est vous êtes des petits cons, vous dites n'importe quoi. Alors. C'est une fille bien, donc voilà. Donc, moi, je suis avec personne. Hein. Moi, je dis ce que je pense en tant que vrai abonné et qui critique pas. Ouais, et arrêtez de vous inventer des vies. Parce que y en a un, ils me disent oui, toi tu profites de la sécurité sociale. Alors c'est faux. Énormément Déjà, faux. attends, déjà, si
Moi, si hein, je suis handicapée, je ne veux pas vous le cacher, hein, je vous dis la vérité. Moi, déjà, j'avais pas de sécurité sociale, et si ma mère n'avait pas de Sécurité un défaut, sociale. la sécurité sociale, on ne serait pas là, on ne pourrait pas vivre. Désolée, je viens du Maroc, nous, au Maroc, si tu dis t'es handicapé, au Maroc, ils t'aident pas. Ils te donnent même pas un sou pour t'acheter des médicaments ou des bouteilles. Alors que là, ils nous aident. Et ici, on est en France, hein. Et on dit pas que la sécurité sociale, c'est de la merde, hein. Non, là, hein, la sécurité sociale, ça nous aide beaucoup, hein. Et ça aide beaucoup, nos familles, hein. Oui, il faut le savoir. Et Arrêtez de raconter des conneries, hein. aussi, pour vous dire, on me dit oui, Marine rend l'argent aux abonnés. J'ai pas pris d'argent. Je suis pas une voleuse, moi. C'est Jackie le voleur parce que c'est lui qui prend de l'argent de tout le monde. D'accord? Ben ouais, mais je suis désolée, mais voilà quoi. Avant de parler mal sur les gens, apprenez à connaître. Vraiment. Voilà. Parce Il y a d'autres que questions? vous avez d'autres questions ou pas? Parce que je pense que je vais faire une vidéo sur Facebook, YouTube. Parce que ça. Y a d'autres questions ou pas? Pourquoi elle parle de sécurité sociale? Parce qu'il y en a, ils ont permis de dire des bêtises, des conneries. Et sérieux quoi. Qui c'est Jackie? Alors, Jackie, c'est un youtubeur qui aime bien se foutre de la gueule du monde, qui aime bien se moquer des gens, tout ça. Et si vous voulez, je ne pouvais pas aller beaucoup à l'école à cause de ma maladie. Faut savoir que tous les lundis, je vais à l'hôpital. Et voilà, en fait, il m'a fait de la mauvaise pub. Voilà, c'est un petit connard. Hein. Ah, moi, je suis proche, hein, je le dis clairement. Alors, Je moi je n'abuse pas de, voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, mais ah c'est bon, là, je suis crevée. Ah, Lola, Marie, c'est pas quelqu'un de méchant, hein. Ah, Merci. Lola, hein. Vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. C'est pas quelqu'un de méchant et c'est une fille bien. Franchement, faut apprendre à la connaître. Moi, je dis, à travers une vidéo, quand même, vous pouvez voir comment elle est. Voilà, Shaima et moi, on rigole beaucoup, hein, Shaima. Voilà, je rigole beaucoup avec Shaima. Je suis pas une fille dépressive, hein. J'ai déjà eu des coups de blues. Voilà, mais quand vous abusez des gens, quand vous abusez des gens, un jour, je peux vous dire que ça va faire mal pour vous. Et là, vous allez voir qu'un jour, vous allez. En tout cas, moi, je vais peut-être arrêter Instagram aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Et je pense que je vais les bloquer. Parce que comme ça va me faire une nouvelle page qui va tourner. Déjà, je vais attendre d'avoir un appareil photo. Mélina. Mélina, je sais pas de quoi tu te permets. Shaima, elle est musulmane. Shaima, elle est musulmane, elle n'est pas alcoolique. Parce qu'elle dit Shaima. Déjà, Shaima, ça s'écrit pas comme ça. Shaima, ça s'écrit Chayma. Arrête l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Anti-cool, ou anti. Je sais pas comment elle a écrit ça. Alors déjà, ma petite, comment elle s'appelle? Mélina. Alors déjà, ma petite Mélina, moi, je vais être pourrie, tu vois. Alors déjà, j'ai 15 ans, donc je crois pas que je vais boire de l'alcool, tu vois. Et de deux, je suis musulmane et dans ma religion, l'alcool, c'est un peu comme on dit, c'est pas halal, tu vois. T'as le droit, mais Donc, pas trop, quoi. c'est pas bien, tu vois, l'alcool. Donc, moi, je ne me permettrai pas de boire de l'alcool, tu vois. Alors, toi, je sais pas. Mais moi, non. Donc, tu vas te calmer. Merci. Au revoir. Direct, prends. Ah non, mais franchement. Alors, attendez. Mais dis-moi, hein, si ça parle de moi ou ça pose des questions, hein, moi, je réponds, hein. Ah oui, Voilà. je vous préviens maintenant, si vous me cherchez sur Facebook, vous m'ajoutez, désolé, mais
Je bloquerai, hein. Moi, si je connais pas, je bloque, hein. Ok? Donc, je préfère dire maintenant. Voilà. Et si je vois qu'il y a des groupes qui parlent de moi, je bloque. Parce que là, j'ai envie de tirer un trait sur YouTube. Faut que ce soit clair, hein, parce que ma page Facebook, moi, je ne fais pas des gens que je connais pas. Donc, voilà. Mon Facebook, parce que t'as pas de page. Et attends, l'autre, elle me dit oui, je vais me laver les cheveux ce soir. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Oh. Bon, il y a d'autres questions ou c'est bon, c'est fini la polémique? Toute façon, moi, je vous Ah, parce que dis. Moi, je moi, j'y réponds avec volonté, hein, vous savez. Il n'y a pas de langue de bois chez moi. Alors, toi, quoi? C'est parti pour un gros clash. Non. Là, je reste encore gentil, hein, je peux vous le dire. Alors, arrête. Ah non, nous, attends. Nous, on n'est pas là pour casser, nous, on est là pour expliquer les choses. Voilà, C'est on est pas là. pareil. Et si les gens cherchent à clasher, nous, on va clasher. Non, mais c'est bon, hein. Nous, on est là parce Ça... que y en a, ils se permettent. En plus, ma mère, elle l'a connue depuis longtemps. Donc, s'il y a besoin de clasher, on Est-ce clashera. On que est ton là, ami fait on des parle vidéos? gentiment. Est-ce que Shaima fait des vidéos? Quoi? Non, Shaima fait pas de vidéos sur YouTube. Non, moi je ne fais pas de vidéos sur YouTube, mais je ne ferai pas de vidéos sur YouTube. Non, Jean Ludovic, Mélina, c'est pas une présidente, c'est une présidence à 2 balles, ouais, alors, hein. C'est ça? Parce que Jean Ludovic, il dit, Mélina, c'est une présidente. Alors moi, je lui dis non, c'est pas une présidente. Déjà pour être présidente, il faut qu'elle fasse des études. Je crois que madame, elle a même pas passé son CE2, donc. Voilà. Être présidente, une info du chinois, Oui, il faut faire des études de droit et tatati et tatata et tout en et tout ça. Et aussi un petit message de mon. pour revenir sur la question, est-ce que moi je fais des vidéos sur YouTube? J'étais pas en train de prendre des réponses. Non, moi je fais pas de vidéos sur YouTube, je préfère suivre que des gens qui font des vidéos sur YouTube. Parce que moi, je sais pas ce que je vais apporter à YouTube. Je connais pas vraiment beaucoup de choses à la beauté. Même si j'aime ça, moi, le maquillage, tout ça. Voilà. En plus, je suis encore jeune. Donc, et j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra. Donc, c'est clair et net. Et non, je compte pas de vidéo sur YouTube. Non, Mélina, c'est pas la reine du monde. C'est ça? Attends, quoi, Marine, t'aimes le poulet? Mais attends, on vous parle d'un truc qui est grave, que j'arrête ma chaîne. Et toi, tu me parles de quoi, Yaya? Est-ce que... Non, Théophile, je sais pas comment on dit là. Marine, est-ce que t'aimes le poulet? Merde. Shaïma va vous répondre, est-ce que j'aime le poulet? Mais quel poulet, parce que vous, avec vos poulets... Mélina, tu pèses d'un ton. D'accord, tu pèses d'un ton. Shaïma, elle est pas du tout jalouse. De toute façon, là, Encore. je vais venir sur YouTube, faire un live. Attends, elle a dit quoi, Mélina? Voilà. Mélina... Putain, tu sais pas écrire, c'est pas possible. Shaïma, ta gueule, laisse Marine parler. En fait, Shaïma, en fait, elle parle, en fait. Elle a... Tu vois, elle a le langage de la parole. Merde, c'est après la politesse, Mélina. Et c'est juste si j'ai envie de parler, je parle. Ok? Marine, c'est mon amie. T'es là. Tu viens dans ton live juste pour chercher la merde avec moi. Donc tu vas te calmer. Et on se connaît pas. Donc, tu vois, moi je suis restée polie avec toi. En te parlant gentiment, tu vois. En te disant que moi je ne buvais pas d'alcool. Et là, toi, tu oses me dire ta gueule. Donc là, c'est un peu. Tu vois? À partir de moi, donc là, tu as baissé tes nerfs. Shaima, c'est pas une pute, d'accord? Avant de parler. Non, tu feras ça de ma part. Non, je ferai Parce que tu rien. as fait ça. Non, je suis pas une fille, désolée. Je ne baisse pas à droite, à gauche. Et pour vous dire. Non, merci, hein, je peux pas. Toi, Mélina, depuis quand t'es arabe? Parce que là, elle dit Miskina, langage de la parole, mon cul, ouais.
Bah, regarde-toi un petit peu et apprends le langage. Alors déjà, si c'est arabe, je pense que tu vas comprendre ce que je vais dire. Sina, vas-y, et après, on en reparlera. Tu veux me traduire parce que j'ai pas tout compris, moi. Tu vas partir de là et je t'emmerde. Enfin, je n'ai pas dit je t'emmerde, mais voilà. Et Tu qu'est-ce sais que quoi, tu Mélina, veux là, partir? je vais te bloquer parce qu'elle me casse les pieds. Léo, écoutez. Faut savoir que. Ça me dérange pas de la répondre, hein. Un petit peu. Vous savez, Shaima a le droit de s'occuper de mes affaires parce que Shaima me connaît depuis 5 ans. D'accord? Ça fait pas un an. Attendez, moi j'ai envie de vous dire un truc. Les gens qui me parlent bien et qui me posent des questions gentiment, j'y réponds gentiment. Et les gens comme Mélina, qui me posent des questions, est-ce que je vois de la tête? Vous êtes d'accord avec moi qu'au début je n'ai pas répondu, je lui ai répondu gentiment, j'ai dit que non, je ne buvais pas d'alcool, que j'avais que 15 ans. Et après, elle m'envoie un autre message en me disant ta gueule. Alors que moi, je ne l'ai pas insulté. Donc, je vous dirais, écrivez-le à Marine, parce que moi, je ne vois pas ce que vous écrivez, mais vous me direz, c'est elle qui a commencé un petit peu à me chercher. Et si les gens. S'il y a des gens gentils et qui veulent me poser des questions gentiment, je vais répondre gentiment, mais s'il y a des gens qui commencent à me traiter de pute, je répondrai franchement en insultant la personne. Attends, parce Donc, que là je vais leur moi, répondre. Shaima, vous voyez, Shaima, elle me connaît depuis 5 ans. D'accord? Elle me connaît, tout ça. Elle peut s'occuper de mes affaires, il n'y a pas de problème. Si Shaima elle a un problème, elle vient m'appeler, moi je vais l'aider. D'accord? C'est ça le rôle d'une amie. Et toi, Jean Ludo, machin, là, arrête de dire que tu es l'avocat de Mélina, parce qu'il n'y a pas d'avocat dans mon truc. Et je sais pas, est-ce que c'est un compte fake? Je sais pas. Non, attends, 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 attends. Attends. Attends, j'ai envie de te Non, dire parce que merci là, pour l'avocat parce qu'il va se faire bloquer, nous aussi. Donc. Allez, au revoir. Je me suis trompée tout à l'heure, j'avais dit 10 ans, mais j'ai 5 ans, parce que j'ai fait le calcul, et voilà. Et, vous savez, mon cousin, il est pas là. Mon cousin, il est à Montauban, il a 2 heures d'ici. Shaima, on est en train de se parler, elle était en train de me calmer les nerfs. Alors arrêtez. Arrêtez de. Voilà. Et les gens, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, si vous avez des questions intéressantes à nous poser, posez-les. Voilà, si vous avez des questions qui sont intéressantes. Théophile, avant de parler de mon cousin, va apprendre à te connaître toi-même. D'accord? Tu connais pas Shaima, tu me connais pas. Jade, j'ai des soucis dans ma vie personnelle. Tu vois, toi tu me dis tu sais pas compter ou quoi, et toi tu sais pas avoir le respect, toi. Là, vous voyez, je vais J'ai faire entendu beaucoup un. de questions. Si vous avez des questions intéressantes. Mais Ouais, Shaima, pour si aider. Shaima a envie de parler, elle parle. Si elle a envie de péter, elle pète. Si elle a envie de roter, elle rote. Je te jure, c'est sorti tout seul. Exactement. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Parce qu'après, je vais faire un live sur YouTube en disant que j'arrête. Yaya, je sais pas est-ce qu'il est bouché ou il fait exprès. Là, pour l'instant, j'arrête ma chaîne. Alors, on pourra pas faire une vidéo ensemble. Il faut savoir que Shaima, elle habite loin. Elle habite à 6 heures de route. Oui, j'habite pas, j'habite sur Paris. Voilà.
Tu l'as connue où, Shaima, à l'école? Mais on s'en fout, putain. Mais si tu t'en fous, pars-toi, Jade, Il putain. y a des questions pour moi À la... personnelles ou Elle a qu'à faire des lives. Shaima, non, je la vois mal faire YouTube. Hein. moi aussi je me vois mal sur YouTube. Toute façon, nous, on va vous rejoindre sur le live de YouTube. D'accord? Et voilà. Allez, salut. C'est une question qui n'est pas intéressante. T'as déjà fait tomber ton plateau au self. Bah ben moi y a pas de self. Salut. Posez-les-moi sur YouTube avec Marie et je vous répondrai sans tabou. Allez, à plus tard. Bisous. Bisous.